Bonsoir tout le monde. Au début de la chaîne, j'ai commencé à parler de harcèlement assez rapidement. Mais comme pour pas mal de thèmes, je me suis vite rendu compte, et d'ailleurs vous me l'avez aussi fait remarquer, qu'en fait, même avec une vidéo de 15 minutes, c'était pas suffisant pour aborder certains sujets. Et donc, en accord avec ce que j'ai évoqué du coup dans la vidéo précédente, on va évoquer aujourd'hui une première sous-thématique du harcèlement, à savoir le harcèlement de rue. Alors je tiens à préciser que je retiens bien les autres demandes qui m'ont été faites par rapport à cette thématique et je vais les aborder, hein, il n'y a aucun souci. Par contre, je ne suis pas experte légale ou médicale et donc ce dont je vais vous parler ce soir et même par la suite en évoquant ce thème, c'est largement basé sur mes expériences personnelles, sur mes lectures à travers Internet ou alors des témoignages que j'ai pu, auxquels j'ai pu avoir accès. Donc dans tous les cas, je vous mettrai le maximum de liens possibles des références dans la description. Par contre, sachez qu'il est possible qu'il y en ait certains qui soient en anglais. Et je vous mettrai cela quand j'aurai pas trouvé de traduction. Et je veux aussi ajouter, puisque c'est important, qu'en fait, je parle en tant que femme cisgenre et par conséquent, je vais surtout parler du harcèlement subi par les femmes, même si je suis consciente que, comme dans tous les cas de harcèlement, ben en fait, tout le monde a subi ce genre de choses à un moment ou à un autre. Mais par rapport à ça, pour le coup, le harcèlement sexuel, le harcèlement de rue, c'est quoi? Alors, je dis sexuel, vous allez comprendre pourquoi. Eh ben, le mieux que je puisse faire, c'est vous donner des exemples. Les hommes qui sifflent dans la rue et qui vous sortent des grossièretés en mode je coucherai bien avec toi, je dis ça pour être poli. Les personnes qui se frottent à vous de manière discrète, hashtag pas du tout comme disaient les jeunes, dans les transports. Les personnes qui essayent de vous faire boire dans les bars, sachant que ça peut virer ultra criminel assez rapidement. Ou alors quand vous avez des écouteurs sur les oreilles, que vous êtes tranquille, et qu'on vous demande de les enlever pour essayer justement de vous draguer lourdement. Ou alors on vous insulte de tous les noms, alors que vous dites poliment non à une proposition. J'ai même, bah du coup, subi personnellement ce genre de choses. Moi, c'était surtout dans les transports. Une fois dans le RERC, il y a de ça pas mal de temps, j'étais complètement malade, j'étais pas bien. Et il y a un type qui d'ailleurs faisait ça à d'autres nanas. Et en fait, je le sais parce que je l'ai reconnu, vu que je l'ai vu plusieurs fois sur cette ligne. Donc, il s'approche, il met la main sur le genou, il essaye de dire des trucs. C'est vraiment de la drague lourdingue et complètement glauque. À un moment donné, le mec veut un bisou. Il veut qu'on se lève pour comparer nos tailles, etc. Enfin bref, c'était carrément bizarre. Et la seule chose qui m'a sauvée, c'est le fait que j'arrivais à mon arrêt et que j'ai réussi à avoir le courage de me lever pour descendre du train. Après, il y a tous les cas dans le RERB du mec qui se met devant toi et qui se touche. Alors, allez savoir pourquoi, sur le RERB, tous les ans, ça arrive. Il n'y a pas de période particulière, mais ça arrive au moins une fois par an. Depuis que j'ai commencé à prendre le RERB, je ne compte plus le nombre de situations de ce genre dont j'ai été témoin. La dernière en date, le type s'assied en face de moi, il se lève au moins deux fois en me demandant s'il peut ouvrir ou fermer la fenêtre, je sais plus. Sauf qu'au fait, a posteriori, alors que j'étais encore assise en face de lui, je me suis rendu compte que le mec avait fait en sorte que je puisse voir son entrejambe. Et bien qu'étant complètement éveillée à ce moment-là, ben, j'avais pas vraiment de manière, de réflexe pour l'envoyer bouler. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone et que je l'ai mis de façon à ne pas pouvoir voir la personne. Et c'est d'ailleurs pour ça que les grands téléphones, c'est vraiment génial, parce que ça cache beaucoup. En fait, avec tout ça, ce qui est grave, c'est qu'il y a énormément de personnes qui, n'ayant pas vécu ou vu ce genre de choses, eh ben, ils ne se rendent pas compte de la gravité du phénomène. Il y en a même beaucoup qui ne se rendent pas compte de la gravité de leur acte tout court, et certains s'en vantent. Comme par exemple les fameux frotteurs des transports en commun. Quand vous verrez l'article, vous serez sur votre postérieur, je pense. Restez assis, hein, ou assise. Quand vous lirez ces articles, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Et donc, il y a énormément de gens qui minimisent ce phénomène parce que
Bah, ça s'inscrit un peu dans ce phénomène de culture du viol dont vous avez peut-être entendu parler, où en gros, on va mettre toute la responsabilité sur les femmes. Tiens, si t'étais habillée comme ci, ça doit être de ta faute parce que ça, etc., etc., etc. Même si, bon, là, je vous parle très rapidement de culture du viol, je vous mettrai un lien avec la définition, etc., dans la description. Mais en gros, on essaye de faire passer ça pour du c'est rien, c'est pas grave. Un petit peu comme le harcèlement sur Internet, au final. La seule différence étant que sur Internet, on peut fermer son navigateur, on peut éteindre son ordinateur, même si on a subi des insultes. Par contre, dans la rue, quand la personne est en face de vous, on n'a pas forcément beaucoup d'actions possibles. Par exemple, quand vous êtes témoin de ce genre de choses, quelqu'un qui se touche devant une autre personne, etc., bah, on ne sait pas forcément ce qu'on peut faire. Il y a des fois, on hésite. Alors que certains disent notamment que on peut se rediriger vers la victime, engager la conversation, etc. Vous faites comme si vous connaissiez la personne. Après, bon, ça dépend si elle est réceptive et si elle comprend ce que vous êtes en train de faire. Mais en fait, il y a un article, alors c'était en anglais, ça par contre, qui disait que notamment, quand vous parlez à une victime en faisant comme si l'agresseur n'était pas là, en fait, ça désamorce un petit peu la situation. Je ne me rappelle plus de la description de l'effet, mais c'est un phénomène assez intéressant. Sachant qu'on peut aussi, par exemple, essayer de détourner l'attention de la personne pour que la victime puisse s'enfuir. Ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être surtout adapté aux situations en transport en commun. Et puis sinon, bah, si vous voyez quelque chose de vraiment terrible, soit intervenez avec quelqu'un, soit appelez les secours. Parce que là, je vous ai parlé de choses qui sont graves, mais qui ont une certaine limite. Mais il y a des tas d'histoires qui sont tellement graves, qui sont tellement tristes, qui font tellement mal, qu'on se dit, mais c'est quand même dingue que, à l'époque dans laquelle on vit, il n'y ait pas plus de soutien des autres quand ces agressions se passent en public. Si vous ne pouvez pas aider quelqu'un, pour quelque raison que ce soit, on ne peut pas forcément vous blâmer non plus, parce qu'à un moment donné, il faut penser à sa sortie, à sa sécurité personnelle. Par contre, dites-vous bien que on pourrait éviter énormément de situations, ne serait-ce que si on faisait l'effort de reconnaître ce qui se passe sous nos yeux. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je parle beaucoup du fait d'être témoin, etc. Mais sachez que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes victime de harcèlement sexuel dans la rue, donc de ce fameux harcèlement de rue, etc., sachez que vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé. Ce n'est pas votre faute. Vous vivez dans une société qui conditionne tout le monde comme ça et vous n'avez pas à vous sentir coupable, à porter le poids de tout ça. Donc n'hésitez pas à en parler si besoin, que ce soit via les réseaux sociaux avec un compte anonyme ou en envoyant des messages à des personnes qui vous paraissent de confiance ou même en parlant avec votre famille, etc. Mais surtout, ne restez pas seul dans votre coin. Si vous n'avez pas la force de parler, je peux aussi le comprendre, parce que il y a des situations qui sont vraiment traumatisantes et qu'on n'a pas envie de revivre en reparlant à quelqu'un. Je le comprends. Je le comprends tout à fait. Mais, dans la mesure du possible, essayez, si vous en avez la force, de partager votre histoire afin de vraiment vous soulager, on va dire, de cette situation. C'est quand même fort comme sujet. Et je suis sûre que j'ai loupé énormément de choses parce que j'ai abordé ça sous un angle assez spécifique. Donc, si vous avez été témoin de ce genre de choses, si vous avez pu intervenir, n'hésitez pas à en parler. Si vous n'avez pas su quoi faire, n'hésitez pas à en parler aussi. Qu'on s'encourage tous ensemble et que on réfléchisse à ce genre de choses. Parce que je sais très bien que la seule perspective là que je viens de vous apporter, ça, c'est pas suffisant. C'est peut-être une ouverture pour certains qui n'ont pas conscience du phénomène, mais c'est vraiment pas suffisant du tout. Donc, à toutes les personnes qui pourraient être victimes ou qui l'ont déjà été, je vous souhaite vraiment bon courage. À toutes les personnes qui ont fait subir ce genre de choses à d'autres, pied au cul, et encore, ça suffit pas.
Et bonne nuit à tous. Salut.